Salut à tous les chicheurs, c'est Zakorp. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. Le test du Roman Mante. Attention, du très très lourd dans ce paquet. On a donc un tabac découpé à l'arrache, j'ai envie de dire, malheureusement. Donc pour moi on dirait presque de la bouillie. Couleur marronasse. Et donc voilà, c'est presque la fin du paquet. Donc pour l'odeur, on retrouve un parfum très très frais de menthe. Franchement, c'est pas aussi frais que le AF Mante. Mais ça donne quand même très envie, c'est très très ressemblant à de la feuille de menthe, je trouve. Avec un petit peu de fraîcheur en plus. Franchement, très agréable au niveau de l'odeur pour ce parfum menthe. Moi, je lui mettrais un 5 sur 5 sans problème parce que ça sent vraiment très bon. Moi, j'adore ça. Donc, la session d'aujourd'hui, elle va se passer sur la Mia Lounge Junior avec Douy Vortex, charbon instant light naturel 40 mm, le tuyau Namor large, tout simplement, à l'ancienne aujourd'hui pour ce test. Donc, c'est parti. Pour le goût, je vous donne mes impressions dans quelques secondes. On a déjà une bonne fumée dès le rallumage, très agréable. Donc pour le goût, moi je trouve que ce tabac est très particulier en un seul point. C'est que bon, on est habitué, hein, les tabacs à la menthe, on les connaît tous, dans les soirées entre potes, oh non, pas menthe, je connais ça, oh non, pas menthe, on fait toujours menthe. Moi ce que je trouve particulier dans ce tabac à la menthe, donc dans le Roman, c'est qu'il y a une double couche. On a un petit goût très très frais en langue, voilà, genre menthe sauvage. Et on a ce goût très puissant, très très frais qui prend la gorge. On a deux goûts très distinctifs. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est franchement bien reproduit. J'irais même jusqu'à dire que c'est un des meilleurs tabacs à la menthe que j'ai fumé avec le AF Mante. C'est sûrement le deuxième que je préfère. Il est franchement très très bon. Au niveau du goût, moi, je lui mettrai un 5 sur 5 sans problème. Maintenant, je vais vous montrer le maximum de fumée que j'arrive à avoir. C'est parti. Malheureusement, avec ce tabac Roman, j'arrive pas à avoir la même densité de fumée qu'avec un Starbuzz ou avec un Fantasia. Mais la fumée reste quand même très très bonne, très blanche, plutôt dense, bien comme il faut. Ouais, très agréable à fumer aussi, très agréable en gorge. Franchement, très très bien. Je lui mettrais un 4 sur 5 au niveau de la fumée parce qu'elle n'est pas aussi dense, voilà, qu'un très très bon tabac premium. Donc, c'était le test du Roman Mante. Moi, je vous le conseille. Franchement, si vous aimez les tabacs très frais, il est vraiment très très bon. Je vous le conseille vraiment. Également, je voulais vous parler par le biais de cette vidéo de la prochaine vidéo bonus qui sortira. Donc, ce sera une vidéo sur un jeu vidéo. Ce sera une vidéo sur Skyrim. Je ne sais pas encore ce que je vais y montrer. Ce sera la surprise. J'espère en tout cas que vous y jetterez un œil. Excusez-moi. Et puis voilà, ça me fera super plaisir de vous montrer cette petite vidéo parce que les jeux vidéo sont aussi ma deuxième passion, ainsi que la chicha. On va se laisser sur ce point. J'espère que ce test vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et de très bonnes chichas. Peace et à bientôt les chichas.